C'est aujourd'hui la Saint-Joseph artisan, c'est une fête dans l'Église. Nous fêtons l'œuvre que le Christ a permis que la Sainte Famille puisse réaliser. Je prêcherai là-dessus. Nous eussions pu célébrer dans la chapelle de Saint-Joseph, mais comme je ne l'ai pas nettoyée et que je n'ai pas transporté le matériel, nous n'y sommes pas. Mais ce n'est pas grave, nous prierons pour Saint-Joseph et toutes les familles de la paroisse et de celles qui nous écoutent. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route, il jouira du travail de ses mains. Heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur soit béni jour après jour, Dieu nous accorde la victoire. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs n'en sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je donnerai à la fin de cette messe, d'abord que nous célébrons pour des familles que nous connaissons, toutes celles qui nous écoutent, et à la fin de cette messe, je donnerai une bénédiction spéciale aux familles et aux couples qui les forment, dont ils sont la base. Par ailleurs, cette messe sera offerte pour la famille Olivier, en tout cas une partie de la famille Olivier, tous ceux qui s'appellent Joseph, enfin qui portent Joseph dans leur prénom, c'est-à-dire Charles-Hubert, Lionel, Jean-Baptiste et François, ce sont quatre frères, et Grégoire, un fils, et qui portent tous Joseph dans leur prénom. C'est une bonne idée de donner Marie ou Joseph dans les prénoms de vos enfants, vous pouvez y penser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Famille, je vous hais, foyer clos, porte fermée, possession jalouse du bonheur. Oui, c'est une provocation, il s'agit de celle d'un auteur, d'André Gide, qui pourtant remarquait Hervé Bazin, non sans humour, a quand même construit une famille et disait-il de lui, il pourrait changer sa citation, au lieu de famille je vous hais, il pourrait écrire alors maintenant « Famille, je vous ai », c'est-à-dire en enlevant le H et le S, c'est-à-dire il a une famille. Au-delà de cet humour, au-delà de cette pique, il y a quelque chose de fondamental que nous célébrons dans la famille et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est la cellule de base de la société et partant de l'Église. Cette première cellule qui est le centre de la vie et qui permet la vie. D'abord, elle est le lieu de la vie. Il faut le dire et le redire, la fin première du mariage, c'est l'engendrement. C'est là que l'extraordinaire, la chose la plus belle qui puisse survenir sur terre, arrive. On ne croyait pas qu'il nous faudrait encore de nos jours de nouveau prêcher pour la vie devant ce monde triste et qui n'espère plus et qui ne veut plus d'enfants. Oui, certains même en sont à croire que pour protéger la vie dans une espèce de délire complètement désaxé, pour protéger la vie, pour protéger la nature et la terre, alors il ne faudrait plus d'enfants. Quelle erreur fondamentale, c'est dans la vie et à travers la vie transmise que se trouve la coopération essentielle à l'œuvre de Dieu, que se trouve véritablement le bonheur qui vient du don total, car on ne peut donner plus que donner la vie, et on doit se donner tout entier quand on donne la vie. Oui, voilà pourquoi il nous faut prier sans cesse Saint Joseph, le protecteur de la famille, celui que le Seigneur a voulu établir dans sa famille humaine, qu'il s'est voulu comme père, et nous prions et pour les pères et pour les mères, nous prions pour que s'établissent les couples dans la force de leur engagement qui doit sans cesse être renouvelé, et cela, c'est la raison de la bénédiction que je leur donnerai.
Nous prions pour tous les couples, pour ceux qui attendent un enfant. Et nous savons combien c'est douloureux dans nos familles, autour de nous, nos amis, ou dans la paroisse, quand un couple n'arrive pas à recevoir ce don supérieur qu'est la coopération à la vie. Qu'ils ne désespèrent pas, nous les aimons tout autant. À partir de ce couple, c'est déjà une vraie famille. Les portes ne sont pas closes, quel que soit le mode d'engendrement. C'est celui que Dieu permettra, qui leur donneront de connaître le bonheur. Nous aimons toutes les familles, qu'ils soient un avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit enfants, quelle que soit la configuration, elles sont toutes bonnes. Oui, bonnes essentiellement, et je le répète, car cette objurgation de Gide semble vouloir porter une malédiction et de temps en temps se retrouver dans des programmes politiques qui détestent la famille. En fait, ils ne la détestent pas parce qu'elle porte la vie, ils la détestent parce qu'elle est le lieu de la liberté. J'y viendrai dans mon deuxième point. Oui, il nous faut soutenir la famille qui donne l'essentiel, qui nous donne d'être, et pas seulement une fois seulement, mais une fois pour toutes ou une fois dans la continuité, c'est-à-dire qui nous donne d'être et de nous établir. Combien en ces temps où nous sommes confinés, où nous sommes coupés de beaucoup de nos relations, eh bien j'imagine que vous faites, et je l'espère pour vous, l'expérience du soutien essentiel de la famille. Que vous soyez avec vos parents, enfants, frères, sœurs, cousins, que vous soyez éloignés d'eux, eh bien vous vous rendez compte combien c'est ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire ce qui ne vous sera jamais enlevé, quelles que soient les brouilles de famille, quelle que soit la beauté des ententes ou sa difficulté. Vos parents restent vos parents, vos frères et sœurs aussi, ceux qui vous sont unis par les liens du sang ou du mariage ou des alliances diverses, vous sont unis pour toujours, c'est-à-dire maintenant, sans changement et pour l'éternité. Alors c'est aussi mon deuxième point portera, j'ai dit d'abord que c'était le lieu de surgissement de la vie que la famille, c'est aussi le lieu de sa croissance. C'est dans la famille, n'en déplaise à des pervers de toute nature qui pourraient croire que la liberté s'acquiert de manière contractuelle en dehors de toute réalité humaine, eh bien non, le lieu d'acquisition de l'amour et de l'expérience de l'amour, le lieu de l'acquisition et de l'expérience de la liberté, c'est la famille. C'est là que vous ferez l'expérience la plus naturelle, la plus évidente et la plus commune de la liberté et de l'amour. Alors, je sais bien qu'il existe des accidents de la vie. Je sais qu'il arrive qu'on ne s'aime plus. Je sais qu'il arrive qu'on ne soit pas suffisamment libre, qu'il y ait des parents qui empêchent leurs enfants de grandir. Bref, il y a toujours des accidents à la vie. Ce n'est pas parce que la roue de mon vélo est crevée que je vais penser que le vélo n'est pas un moyen pour se déplacer. Il arrive effectivement que tout ne soit pas idéal. Cela ne veut pas dire pour autant que ce fonctionnement de la famille soit mauvais en lui-même. C'est quand même regarder le monde depuis qu'il est, le lieu où les hommes ont vécu et où ils ont été protégés. Si vous n'aviez pas eu vos parents pour vous donner la béquille tout petit, vous seriez tout simplement mort, vous seriez crevé dans un coin comme un chien abandonné. Oui, c'est dans la famille que vous avez reçu la protection et l'amour. C'est dans la famille, et les psychiatres nous le disent, ô combien aujourd'hui nous n'avons pas d'excuses pour de l'ignorer, car un enfant qui n'a pas fait cette expérience d'être aimé profondément par ses parents, soit parce qu'ils malheureusement ils n'ont pas prodigué assez d'amour, ou tout simplement parce que cet enfant ne s'en est pas rendu compte, eh bien cet enfant est handicapé pour toujours, il n'a pas l'expérience fondamentale de l'amour. La liberté, par ailleurs, que nous acquérons dans la famille est une liberté naturelle, car dans la famille, les choses sont placées. Il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin de réfléchir.
le Père et le Père, la Mère et la Mère, le Frère et le Frère, la Sœur et la Sœur, et ainsi de suite, chacun à sa place, chacun a son autonomie dans la famille, elle lui vient naturellement. Alors voilà pourquoi cette cellule forte et imprenable est parfois enviée, jalousée en fait, c'est le terme de Gide qui se retourne contre lui, jalousée par un pouvoir politique qui aimerait bien noyer chacun dans une masse informe, individuelle, où il n'y aurait plus d'identité paternelle, maternelle, fraternelle, où il n'y aurait plus de lien établi, eh bien non. Nous voulons nous replonger sans cesse et toujours, fortifier le couple qui forme la famille, fortifier les liens de nos familles, afin de nous établir vraiment. Cette bénédiction que nous implorons du ciel, demandons-la à Saint Joseph, lui que le Seigneur a simplement voulu, comme protecteur de la famille, de la Sainte Famille sur terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai choisi l'homme du Seigneur en chaque chose ordinaire. Alors je mettrai le temps du sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veille comme un père sur ton Fils unique conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Veni sum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et spécialement de la famille Olivier qui a sollicité d'offrir cette messe. De tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Delin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tout. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la.
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donne la vie, et sanctifie et nous en fait le tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, mitulis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité, la dévotion avec lesquels votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Âme du Christ, sanctifie-moi. Âme du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enlève-moi, ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, sanctifie-moi, ô mon Jésus, exauce-moi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore, fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Avant que vous n'alliez, je vais bénir les familles et les couples qui en sont l'origine. Il nous a été demandé de la bénédiction pour Jean-Claude et Janine Norte qui fêtaient hier. Je ne suis pas très fort, ils sont mariés en 63, ça doit faire 55 ans, quelque chose comme ça, de 57 ans de mariage. Eh bien, prions tout spécialement pour eux, je vais les bénir et je vais bénir toutes les familles. Vous avez peut-être reconnu, pour ceux qui sont des équipes de couples dont j'ai la grâce d'être l'aumônier. Je vais les citer dans l'ordre d'apparition. Le premier, c'est l'équipe Domus Christiani Sainte-Philomène, dont vous avez ici les reliques. Le second, c'est l'équipe, dans l'ordre je crois, Saint-Joseph, c'est l'équipe Notre-Dame. Et vous avez ici des reliques, alors pas de Saint-Joseph, mais des lieux vécu Saint-Joseph, des lieux, des souvenirs de la Sainte Famille et des endroits où ils ont vécu. Et puis ici, je n'ai malheureusement pas les reliques, mais c'est le groupe Domus Christiani de Charles de Habsbourg, auquel nous ajoutons évidemment son épouse, qui n'est encore pas déclarée bienheureuse, mais nous prions pour cela. Je bénirai donc tous les couples et toutes les familles de la paroisse, de ces équipes, de nos familles et qui nous écoutent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ô Dieu qui, dans votre providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de votre très sainte mère, faites, nous vous en prions, que, en le vénérant ici-bas comme protecteur de la famille, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage dans la famille au service de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend, qu'elle attend vos familles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que sa bénédiction descende sur vous et y reste à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Quia quem eruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet et tare Virgo Maria, alléluia. Quia sum exit Dominus Dei, alléluia. Ora, Domine qui per resurrectionem fruit Domini nostri Iesu Christi. Mundum notificare dignatus, sit apprese, ut peius excusquem Virgem Maria perpetue capiamus gaudia vitae. Pem Christum Dominum nostrum. Amen. Saint Joseph, oui. Sainte Marie, nous te saluons, ô toi, notre dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.